Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce combien déjà? Un septième épisode sur The Last of Us Part 2. Et je voulais faire demi-tour pour aller fouiller la petite zone là-bas parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié, vous savez, il y avait un petit endroit surélevé. Et j'ai vu quelques vidéos qui montraient qu'en fait on pouvait bien escalader. Donc je suis un peu dégoûté. J'espère que je pourrai faire demi-tour à un moment ou un autre. Parce que bah là c'est un peu trop tard, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il faudrait que je relance le jeu. Ouais, ça m'a l'air un peu impossible. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on va continuer. On allait se rendre vers cet endroit-là, le Serevena Hotel, là où se trouvent tous les wolves. Mais avant, peut-être qu'on veut passer par ici. Wolf, WLF, j'ai compris. Ah ouais. Il y a sûrement d'autres choses à fouiller. Hein. Ça se tient. D'ailleurs, j'ai appris pas mal de choses entre-temps. Il faut savoir que ça, les vidéos précédentes, je les ai enregistrées le mercredi 24 et donc on est le jeudi qui suit, donc le lendemain. J'ai appris tellement de choses entre-temps. J'ai appris qu'on pouvait casser les distributeurs, des choses comme ça. Et ça, je l'ignorais. Donc apparemment, dès que je croise un distributeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. MDR, il n'y en a pas. Et puis de toute façon, ça se trouve, c'est dans des zones où on pourra jamais revenir. Donc je suis un peu. T'as vu ça? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. What? Oh, on pourrait faire pareil, du coup. Bah non. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ok, donc il y a un second portail. Et je parlais avec un ami. Je disais, mais non, mais si ça se trouve, il y a d'autres portails et donc il y a d'autres zones. Comment dire? Vous savez, de grandes zones ouvertes comme la précédente. T'as le code du portail? Je suis pas sûre. Bah si. Pourquoi on ne les démarre pas? C'est déjà allumé? D'accord, bah vas-y, allume. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle se cache. Bah alors? Pourquoi je peux pas démarrer le générateur? Ici, tu penses? Non, ce serait débile. Genre, ouais, on rentre par le portail principal. Bon, écoute. On va voir si Dina se cache. Ouais, on va donc rester caché. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce septième épisode. Moi ça va nickel, ça va de mieux en mieux, je commence à prendre mes marques un petit peu dans le jeu, à apprécier ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce qu'il y a des méchants? Non. Je commence vraiment à prendre goût au jeu. Même si je dois bien l'avouer que l'épisode précédent, à la fin, j'ai carrément coupé mon micro. Mais c'est inconscient, hein. C'est pas voulu. C'est juste que en fait. Pour l'allumer et l'éteindre, il faut déclencher un petit bouton. Putain, elle m'a fait peur encore une fois. Et pourtant, c'est visuel, hein. Il y a un petit côté rouge quand c'est éteint et l'autre est genre noir. Il n'y a pas de feinte. D'accord. Ça a l'air d'être la merde, non? On va se crafter quelque chose. Voilà, un petit soin. Et est-ce qu'on a... Ouais. Ok, on va prendre ça au cas où. Parce que je sens que ça peut partir très très vite. On va essayer de pas se laisser déborder par les émotions. Ok, bah c'est raté. On y va! En fait, je voulais prendre mon pompe, moi, à la base, hein. J'arrive.
Ok. Bon, vous voyez, avec moi, on s'en sort toujours. C'était pas ce que j'avais prévu. Mais alors, pas du tout. Ok, ça c'est fait. Mais au final, on s'en sort. Évidemment, si vous jouez en difficulté extrême, ce sera pas la même limonade. Hein. Moi, je suis en difficulté normale. Donc, jusqu'ici. En fait, du moment que ça passe, je vais pas m'en plaindre. Et je me suis même accordé le luxe de rater 2 balles. Donc, y a plus personne du coup. Et ouais. Donc là, vous doutez bien qu'il n'y a pas de wolf. Hein. On va fouiller quand même ici. Ok, on est en 2013. Le temps s'est arrêté en 2013. Et j'ai placé mon micro à un endroit différent. J'espère que ça rendra un petit peu mieux. Je doute fortement. J'ai l'impression que mon son va être beaucoup trop fort et qu'on va entendre tout mon souffle. Donc, j'espère, mais je doute. Voilà, je viens d'éloigner un petit peu mon micro, j'espère que ce sera mieux. Vraiment, j'ai pas de moyen de vérifier en direct. Oh, d'accord, Hôtel Serevena, c'était peut-être un 5 étoiles ou quelque chose comme ça. Au milieu de la pièce, il y a ça. Ah, ici. Tu m'as l'air mort récemment, toi. Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son insigne. On dirait vrai. Qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un vulgaire infecté. Il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, non. Ce serait pas juste. Non, parce que on sait. Autant profiter d'être là pour faire le plein. Ouais, t'imagines, on serait venu là en mode. Bon, bah voilà, c'est mort. Ok. Mais on sait tous que. Tous les wolves ne sont pas morts. Là, c'est juste les petits cons qui sont morts à cause d'infectés. Peut-être ils se sont fait submerger, mais quand même. Tu peux pas me dire qu'ils se sont tous fait avoir. Et j'ai aussi appris quelque chose, c'est que quand il y a une porte qui est verrouillée, en général, ils on peut la verrouiller de l'autre côté. Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Ah, ouais. Peut-être Tommy, alors. Putain, c'est vrai que j'avais... Tommy est sorti de ma tête à une vitesse folle. Pourtant, je l'adore aussi. Hein. J'adore aussi son comédien doubleur là qui nous fait la voix de Shane dans The Walking Dead. Et tant d'autres personnages avec la voix un peu rocailleuse. J'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de Rab, on sait où en trouver. Ben, je pense qu'on en aura besoin pour le portail... Attendez, c'est fou. C'est fou ce qui se passe ici. On n'a rien. Ça non plus. J'ai pas trouvé de distributeur. En même temps, ça a l'air d'être un hôtel de luxe. Donc, m'étonnerait que t'es genre un distributeur de Mars ou de sneakers. Ouais, il y a 40 balles dans cette salle de bain. C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Vous avez vraiment mis longtemps pour le trouver, non? Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Je pose une question à ce type, mais il répond pas à voix haute, il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité.
sinon, tu les tortures. Ouais. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais. Je sais pas si ça me rassure que Tommy soit pas loin. Est-ce qu'il va nous accepter, entre guillemets? Et peut-être rejoindre Tommy. Ouais. Mais c'est vrai que cette technique, on l'avait vue dans le premier volet. Avec Joël et un couteau, il me semble. Il mettait des coups de couteau dans la jambe. Il me semble que c'était ça, ouais. Oh, un petit marteau. Ouais, mais ma machette est tellement bien. Elle est tellement parfaite, là. Bon, allez, on y va. On se taille. C'est par là. C'est pas par là. D'accord. Bah, me parle pas, écoute. Par contre, si maintenant ils me disent, on avait bavé par le passé, mais la vache. S'ils me disent qu'il faut remettre de l'essence dans le portail, c'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion, Ellie. Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Donc Dina a bel et bien une sœur. Peut-être qu'on la croisera. Occupe-toi et du là, générateur. On peut démarrer. Tu te souviens du code? Celui écrit avec du sang? Ouais. Genre la grosse blague. Bah non, en fait, j'ai déjà oublié. Par contre, c'est cool c'est que bon. Pour une fois, ce soit elle qui tape le code. C'est bon. Pour moi. La vraie question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah on cherche Tommy. On est venu là pour ça aussi. Je te rappelle que Maria nous a demandé de le ramener. Pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté. Ouais. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon dieu. Quoi? On aurait dit ma mère. Ça va aller. En plus, les amandes, c'est dégueu. Désolé, hein, mais... entre un truc aux fruits rouges et un truc aux amandes... Oh là là, les petits détails, là. Ça mange pas de pain. Mais ça me fait bien plaisir de voir ça. Ok, on a un autre poste Fedra ici. Apparemment, on peut pas rentrer. Peut-être là, non? Ouais, non, on passe pas à travers les feuilles. Si Naughty Dog a mis des feuilles, c'est qu'on passe pas. Toujours la leçon à retenir. Ok, donc là, c'est... Ça m'a fait peur! Chopez l'autre! La perdez pas! Allez! Dina! Ah putain, ça y est, c'est là où on commence à m'énerver, c'est ça? C'est là où j'ai envie de me venger. Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors.
Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, mais Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, wow, wow, wow. Attends, attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Maintenant, tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas... Voilà, c'est ça, mon gars. Tu touches pas à notre Dina, ok? Est-ce que ça va? Si on veut. Ellie. Ellie. Il faut qu'on parte. Ils ont forcément entendu les coups de feu. Regarde. C'est une de leurs. Viens, on verra ça plus tard. Il y avait une station télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez! Putain, Ellie! Ça servait peut-être à rien. Ok, on va tenter un truc. Ça va être assez dingue. Ah d'accord, donc ça étourdit qu'un seul mec en fait. C'est assez dommage. J'avoue que pour moi, grenade assourdissante, c'était vraiment pour les gens de la zone, quoi. Attends, je vais fouiller un petit peu ici. Putain, quelle scène! C'était intense, hein. Et quand elle était en train de se saisir du bout de verre, j'étais en mode putain, fais vite, il compte sur moi et tout. Et c'était le cas. On va prendre le petit gun parce qu'il a beaucoup plus de balles. J'ai l'impression qu'ici, non, on peut pas passer. Là, y a rien non plus. Je fais tout ça en speed, hein, mais en même temps, ce serait con de passer à côté de ressources. Ok, donc là, on est dans leur QG en fait. Hein. C'est par là. On y va. Contrôlez toutes les salles. Merde. Vas-y, sors ta tête là. Bordel! Bah, quel là, bordel! Devant. Voilà! Vas-y, crie maintenant! C'est un délire, frère. C'est un délire à quel point je les vois pas du tout. Et par contre, je peux pas changer d'épaule. Je sais pas comment faire. C'est pour ça que je bug depuis tout à l'heure. Oh merde! Devant nous! Descends, merde!
Voilà, mon pote. J'aimerais bien pouvoir ramasser des balles. Coup pour coup, comme on dit. Ça ok, va? C'est bon. Ouais. Il y en a que tu reconnais? Non. Ah bah là, non. Je les ai tellement charcutés, on les reconnaît plus. Hein. Ok. On a une cartouche. Un ciseau. Ça pour la vie, j'imagine. Que ça fait bien plaisir. C'était pour nous faire plaisir, ça. Carrément. Une citrouille. Ici, on a une balle. Putain, c'est vraiment une balle par une balle, les gars. Faut pas être affamé, hein. J'imagine que c'est des balles pour l'autre fusil. Ok, c'est bien ça. On va tout fouiller. Putain, mais elle se met à courir. Elle me fout le stress à chaque fois. Et par contre, je les vois pas du tout, hein. Ils sont bien cachés. Et il paraît que c'est même pas les plus discrets. Putain, Washington, qu'est-ce que tu fais là, gros? Ok. Bon. On est là. On est là. Attendez. C'est bon, mon micro est bien allumé. Je suis désolé, je vais devoir vérifier maintenant toutes les 5 minutes parce que j'ai trop peur de l'oublier. Fais gaffe. Je veux que tout le monde se ramène ici. Super, il y en a d'autres. Putain, ils viennent d'où ces coups de feu? J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. Vas-y, reste ici, ouais. Ils sont combien les autres là? Y'a que elle vraiment? C'est bizarre. Ah bah t'es là toi. Regarde ça. Check this out, Red Bull. Allez voir, juste là. Ok. La petite décale du plaisir là. Ah ouais putain. Vous êtes vraiment beaucoup les chiens de la casse. Elles sont filées dans les hautes airs. Comment elles ont pu se tirer? Il en reste un. Ok, lui on va essayer de se le faire discrète. Parce que j'ai plus du tout de balles. Comment faire? T'es morte, tu m'entends? Merde, il y en a un paquet. Est-ce qu'on est bon là? Sur l'autre arme, on a 3 balles aussi. Là, c'est la merde, là aussi. Bon. Bah écoutez, y a plus la musique. On peut se relever. Et tout fouiller. On va prendre une petite brique au cas où. Il me semble que j'ai lancé ma bouteille. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Bien joué. Ok, toujours des petits médocs. On sait pas ce que ça donne, mais on les mange. Ouais, ouais, ouais. Sympa cette petite cantine là. Putain. C'est vrai que Dina, je suis plus trop habitué à la voir. D'accord. En fait, on m'a menti. Y a rien dans les distributeurs là. Vous m'avez menti! Ok, ça aussi, ça c'est pas mal. On peut se soigner. Comme ça, on récupère une trousse de soins. Tant qu'à faire. Et on peut fabriquer quelque chose. Un molotov. N'empêche que le molotov que j'ai lancé, il était pas mal, hein. Avouez. Il a fait bien plaisir. Ok, on recharge.
On éteint la lumière, on essaye de jouer intelligemment, même si c'est pas ce qui me caractérise de prime abord. Les petites balles là, oh, elles sont bien beaux, hein. Vous avez bronzé un petit peu vite. Faut mettre de la crème solaire, les gars. Je pensais qu'il y a quelque chose là-bas où ça sert à rien. Je suis d'avis qu'on avance. Ça sent la zone de combat ici. C'est un peu mieux camouflé que dans les précédents. J'ai une sorte de, entre guillemets, arène. Jette un œil ici. Mais on voit quand même. On les emmerde, les wolves. On prend tout. D'accord. Ok, je crois que je devais trouver quelque chose en bas, en contrebas. Qu'est-ce qu'on a ? Non, là-bas. Laisse-toi. Hey. Elle est où, la patrouille d'Adrienne ? Merde, merde ! Hé, vous deux ! L'intruse a filé ! Quoi ? T'as vu un truc ? Non. Faut surveiller le toit. Je vais vérifier par ici. Elle est pas dans la rue, c'est sûr ? Quelqu'un a regardé ? Comment elle aurait pu descendre ? Aucune idée. Je sais pas si ça fait du bruit quand je recharge. Quelqu'un a signalé le problème ? Greg est parti à Capitol Hill. Il va ramener des renforts d'une minute à l'autre. Merde. Non, pas toi, Greg. Bon alors. Je l'ai perdu. Une personne là. Où elles sont ? Putain, il faut que je me repère au son, mais c'est chaud. Y'a personne ici. Je le sens pas trop. C'est la merde, pourquoi ils m'ont fait aller là-dessous ? Ah, il est là, ok. Putain. Il bouge pas. Hein. Ok, on va devoir tenter un truc. Dans tous les cas, on sort le pompe. Vif comme l'éclair, imperceptible comme l'ombre, je suis Batman, je suis la justice. Allez, on continue. J'en vois pas d'autres. Je n'en entends pas d'autres. C'est sympa ces petits panneaux solaires là. Bon, ils ont laissé leurs collègues. Tant mieux pour nous. Tant pis pour eux. Attends. Ils sont vraiment partis. Les mecs, s'ils reviennent de Capitol Hill, on n'est pas bien. Hein. Capitol Hill, ça rigole pas comme zone. Hein. Dans la vraie vie. Hein. Donc j'imagine même pas dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Attendez deux secondes. Je voudrais continuer à avancer, mais j'ai un truc dans l'œil, du coup je peux pas faire les deux à la fois. Ok. Toujours aussi riche du cœur, comme on dit. Pas fermer la porte. Ok, y a rien. On peut se permettre de fouiller un petit peu. On vous dérobe tout, hein. C'est ok pour vous ? Mais je sens que la séquence où, vous savez, on est à une table de craft et qu'on se fait attaquer, ça approche à grands pas. À partir de maintenant, tuez tous les intrus. On verra d'autres unités pour trouver l'autre femme. On enverra d'autres unités. Renvoyez, rejoignez la base avancée avant ce soir, apporter les ressources disponibles. Ok, donc ici c'est genre une dépendance comme là où on avait fait la patrouille pendant la période hivernale. Ça c'est une boîte à outils mais y a rien dedans. Ok, c'est bon, on est safe. Toujours bien fouillé, tout regarder. Là, on a un petit truc. J'imagine que ça se déroule ici. Merde. T'en penses quoi ? De quoi ? On peut essayer. Ouais, vas-y. Mais vous voyez, c'est ce genre de porte-là. J'ai entendu comme quoi il fallait trouver comment les ouvrir. C'était jamais vraiment verrouillé à 100%. Il
suffisait juste de faire le tour souvent. Laisse-toi. Allez, on entre. On s'éloigne de l'école. Tout de suite. Attends, mais la porte qui est derrière. Il doit forcément y avoir un moyen de rejoindre la rue. Je pense qu'on va plus tenter de s'enfuir que de combattre. Ok, on a quoi ici? C'est bon, vas-y. J'ai peur. Ah, attendez, j'ai cru voir quelque chose. Ah non, ok. Je crois que c'était la pochette de Nirvana avec le petit baby là. J'ai oublié le nom de l'album. Sacrilège, mais en même temps, ce qui marque le plus, c'est le visuel, hein, c'est pas le nom. Bon, on va arrêter de se baisser tout le temps si Dina ne l'est pas. C'est une vidéo assez difficile parce que je viens de me lever. Faut qu'on descende dans la rue. Et j'avais extrêmement envie de continuer l'aventure. Du coup, voilà. J'ai essayé de me coucher tôt, MDR. Pour me lever tôt. Encore plus, bonne blague. Je sais pas si ça vous arrive, ça. Là on a un petit peu de temps. Genre vous voulez vous coucher tôt parce que genre la journée entre guillemets est finie, tu vois. Ça sert à rien de t'accrocher plus. Surtout quand il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de live intéressant. Du coup t'as juste envie de faire passer rapidement la nuit pour arriver au lendemain. C'est comme ça souvent le soir de Noël. Parce que nous on ouvrait et on ouvre toujours les cadeaux le 24 au soir. Du coup on n'a pas le temps de les essayer en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on se couche direct. Oh, petit Listerine là, pas mal. On garde une hygiène propre. Donc on garde. On avait les cadeaux là, le soir et puis après on les utilisait le lendemain. On dirait qu'il y a personne. Ouais. Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Lis la lettre. Jordan, Isaac nous a envoyés en mission pour 2 semaines à la station télé. Des scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerai, Léa. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là? Il y a qu'un moyen d'en être sûr. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. Oui, c'est Capitol Hill, quoi. C'est par là. Et la chaîne de télé, c'est Q13. Ok. Allons choper Léa. Donc on va vraiment avancer d'indice en indice. Genre, là, c'est la photo de Léa. Après, ce sera la photo de Jackie. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il fasse référence à... Bah, à ce qui existe... Oh, j'ai pas fait exprès. À ce qui existe dans la vraie vie avec Q13, qui est une vraie chaîne de télé. Je sais plus à quel groupe ça appartient, je crois que c'est la Fox. Ouais. Mais ça, peu importe. J'ai bien cru que c'était foutu pour moi. Ouais, encore plus pour toi. Merci de m'avoir sauvé, d'ailleurs. Merci, bébé. C'est normal. Bébé... Que tout dedans, alors, mais que... eux, c'est les wolves. Et ils ont plein d'armes. Il y a trop de trucs ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'ils seraient autant avant de partir? Tommy m'avait dit qu'ils pourraient être nombreux. Ça change quelque chose mais pour toi? C'est hyper grand, là. Non. Je sais pas du tout où je dois me rendre. Enfin, si, on va... Il pourrait y avoir des patrouilles. Il y en a plusieurs qui ont essayé de me buter par ici. Combien? À la station, mais... J'en ai croisé 2, mais... Je suis sûre qu'il y en a plus. Et dès qu'ils auront pigé qu'on n'est plus dans l'école... Et qu'on a buté leur putain de pote... C'est bien ils vont mettre le paquet pour nous retrouver. Hop. Hop. Ouais, c'est ça que je crains le plus, hein. Oh, j'en reviens pas qu'ils aient attaqué sans prévenir. Ces gens sont pas comme nous. On aurait pu être des réfugiés. On aurait pu, je sais pas, avoir des infos utiles pour eux. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement.
Est-ce qu'on a un trophée Marco Polo? Non? Bah allez quoi, Naughty Dog. Marco. Marco. Ah, pas cool. Pas cool parce qu'ils l'ont mis dans presque tous les Uncharted. Je suis très déçu. Mais il y a trop de choses à fouiller par contre. Enfin, il y a trop d'endroits à fouiller. Est-ce que après il y a des choses dans les maisons? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça a l'air relativement vide. Hein. Même dans les tiroirs. Putain. Les frères, vous avez rien dans vos cuisines. Hein. Moi, tous mes tiroirs sont remplis. Hein. De lingots d'or. De choses comme ça. Vas-y, prends. Ouais. Ah, c'est un petit truc pour mélanger ça. Ah, bah voilà. Les petits médocs. On va éviter de mettre les lumières proches des fenêtres. Dina, il y a du sang. Je suis prête. Je vais mourir d'un infarctus encore. Pour la sixième fois. D'où ça venait? Ah, ils sont malins, ils l'ont pas mis en... T'as vu l'esquive que je t'ai tapé, mon gros? Par contre, je sais pas du tout d'où il vient. Ouais. Merde. Oh, j'ai le cœur qui bat sans l'air. Non, moi ça va, je m'y attendais un petit peu. Donc en fait, toutes les actions précédentes, elles étaient en mode... Bah non, nous ça va, on n'a pas sursauté du tout. Et juste là, quand ça fait peur... Elles sont... Quand ça fait pas peur, justement, elles sont en mode... Bah la vache, j'ai balisé de ouf, mec. On est déjà à 39 minutes de vidéo. On va pas s'arrêter tout de suite, on va continuer jusqu'à... Allez. Peut-être 49, un truc du genre. Histoire que... Voilà, vous avez pas des épisodes tous les jours. En général, c'est tous les deux jours, lundi et mercredi. J'essaie de vous les faire à... Voilà, un minimum un peu long. Pour que vous passiez un bon moment. Mais pas trop long pour que moi, je puisse les télécharger en une seule nuit. C'est assez cool, sinon c'est... C'est la mort. C'est la mort et surtout, vu qu'on n'a pas des rendus incroyables et que ça met assez longtemps avec ma connexion, je trouve que c'est cher payé. J'espère que sur PS5 ce sera un petit peu mieux optimisé. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais on a putain, la batte de Negan. J'ai oublié comment elle s'appelle. Meryl. Pourquoi ils vous ont pas tué, Tommy et toi, quand ils en avaient l'occasion? Je sais pas. C'était risqué de leur part. Peut-être qu'ils sont juste cons. Peut-être que... Quoi? C'est pas après vous qu'ils en avaient. Et donc ils vous ont lâché. Ouais, après nous avoir mis une belle raclée. Ce connard de Jordan m'a défoncé la tête. C'est vrai, mais pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout en... C'est pas important. Ils ont eu tort. C'est clair. De toute façon, ils sont venus pour Joël. Ça, on le sait. De la note. Salut la station télé. Léa. Je m'étais même dit qu'en fait c'était des lucioles. C'est elle, la fille avec la tresse? Non. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendue pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Alors, comment on va s'y prendre avec elle? On va la faire parler. Faut qu'on sache où trouver les autres. On verra après. Rockefeller. Tu comptes lui demander pourquoi ils ont fait ça? Ouais. J'ai peur de tomber directement sur des gens. Ah, mais on est dans... Est-ce un motel. Ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé? Rien de nouveau, non. Bah non, justement, tu crois c'est ça. Qu'il aurait pu te cacher des choses? Carrément. Il n'était pas... Elle est pas bête. Du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tommy pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Où est-ce qu'on voudrait aller avec ça? Là? Ça va, c'est pas trop trop loin. Fais quoi avec ça? C'est coincé! Tu devrais la dégager de la bordure, non? Oui, merci. Sauf que c'est coincé quand même. C'est pas parce que tu dis que c'est coincé de cette manière que ça se débloque, hein, tu sais. Voilà. Je reviens tout de suite. Bah t'es bête. Je monte la garde.
J'escalade. Enfin. Oh, référence au premier, la scène avec les girafes. Référence, non, y a pas. Le mec est en roue libre. Bon, par contre, vous me faites sursauter là. Ça va pas être très très cool. On va pas bien s'entendre en fait. Bon, alors, ramasse tout d'un coup. Je te jure, ils mettent les médocs en mode un par un. Fais des paquets de 5, gros. C'est quoi ce truc? Une sorte de bombe? Ça doit être un truc de proximité. Y'a quelque chose ici. Oh, attends, mais. Le mec fout des cartouches de fusil dans sa table de nuit, quoi. On va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'il nous reste comme pièce? La chambre des gosses. Enfin, du gosse. Oh, il jouait de la guitare lui aussi. Et qu'est-ce que tu lis? Les citrons. Ouais, c'est connu. C'est pas mal comme ouvrage. Un peu épicé et acidulé. Putain, j'ai moi-même gâché ma propre blague. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ouvert. Dégueu. C'était Jimmy. Ok. Et derrière. Un peu d'eau et de sel, tu verras. Ok. Donc c'est la recette pour les explosifs. Ici. Putain, mais t'as vraiment genre un porte-manteau pour les bouteilles. C'est assez fou, non? Ça valait le coup. T'es là, toi? Ouais. Un beau butin. Ouais, un beau butin. Enfin, non, pas vraiment, en fait. Genre si on s'extasie à chaque fois qu'on ramasse la première merde, on va pas faire long feu. Ok, j'imagine c'est par là la suite. Moi je veux voir s'il n'y a pas d'autres petites chambres ouvertes. Ça a pas l'air d'être le cas. Ok, on continue. Putain, ils ont tué Payette. Ça m'est revenu là d'un coup. Mais putain, Payette quoi. Jack, il est souvent blessé. Puis en plus, il était malade, il avait une fièvre de cheval. Ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment? C'est trop grand. Voyons voir. J'ai aucune idée de ce que je dois fouiller en priorité ou non. Vous savez, comme la banque là. Ok, donc là, on va trop avancer. Parce que la banque en soi. Si tu fouilles pas le petit abribus, bah tu... Ellie, des wolves. Merde. Si tu fouilles pas le petit abribus, tu les trouves pas. C'est vrai que j'ai pas d'arme discrète. Arrête un peu de parler de bouffe alors. Il y avait un truc. Ah, elle est où, putain? Quelque part dans le coin. Et on est sûr que c'est pas une Scar? Elle était à cheval. Non, c'est pas une Scar. Ah. Alors les Scars vont lui régler son compte. Allez, c'est ce qu'on a à faire et on rentre bouffer, ok? On n'arrivera pas à la trouver avant les Scars ou les infecter. Tant mieux. Je les ai devant moi! Attends, vous êtes combien? Côté. Compris. Active. Bordel patate. Putain, mais je l'entends l'autre à ma gauche. Trouvez. Par ici. Bordel. Tu vas crever, tu m'entends? Je te vois, toi. Je vois qu'il y a un petit truc ici. Ok, on va faire rebrousse chemin pour avoir un meilleur point de vue. En fait, lui, je l'entendais vraiment là-bas à gauche. Ouais, bah il était là. Okay.
Finis-en. Si t'as le cran. On peut pas t'interroger plutôt? Merde, Ellie. Ouais. Tu l'as dit. J'aurais voulu l'interroger, mais bon. Est-ce qu'il savait grand chose en soi? On s'est parti en couille très très vite. Hein. Merde. J'avais pas prévu tout ça, moi. Il y en a que tu reconnais? Non. Non. Ce qui est bien, c'est que moi aussi, je peux répondre à la question, vu que... Elle est immense, cette zone de quarantaine. Bah ouais. Ouais, elle est grande. Comment tu veux que je fouille Est-ce tout, moi? Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout? J'espère que non. J'espère que non. Oh, référence à... Juste des trucs d'Halloween. Left Behind. Il y a des trucs plutôt marrants. Il y a les mêmes tombes. Moi, je suis pas fan. Arrête, Ellie, tu te mens à toi-même. On sait très bien. Manquerait plus que... C'est le squelette? Putain, j'aurais kiffé qu'il y ait le squelette. Vous savez, qu'elle secoue, là. Qu'elle secoue pour... Putain, comment on appelle ça? Tu poses une question, tu secoues et t'as une... entre guillemets réponse. Je suis sûr qu'ils l'ont mis quelque part. Mais alors où? Ça. Ça, c'est une autre histoire. Oh. Pas mal. On aurait pu se déguiser. Non mais c'est pas possible, il doit y avoir forcément ce truc là dans le coin. Voilà ça. Le skill SR. Pas mal, sympa. Sympa et discret. Et puis ça a du sens puisque c'est un magasin de farce et attrape. Le pompe, on a rien. Celle-ci, on peut la recharger. Celle-ci aussi, oh là là, 9 balles. C'est trop grand. Trop grand. Là c'est Capitol Hill, donc on va fouiller encore plus. Mais vous savez quoi? On va se faire ça dans l'épisode prochain, le 8ème. On continuera de fouiller la zone et on ira à la station télé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très très vite. Salut!